Ça te concerne aussi. Non, cette fois, ça nous concerne tous. Pour une transformation inclusive et participative, juste et durable, il convient de prendre en compte l'intérêt des communautés locales dans les projets de transformation socio-écologique, en les maintenant informées afin d'apaiser les tensions sociales, en soutenant leur apprentissage en vue d'une réduction des inégalités sociales et en renforçant leurs capacités et compétences pour atteindre une productivité consciente et citoyenne. Il est indispensable de reconnaître le rôle des femmes dans ces transformations et de le rendre visible. La transition ne peut se concrétiser sans soutenir le développement de solutions durables adaptées aux contextes locaux, en favorisant les expérimentations locales, en stimulant l'entrepreneuriat écologique et social et en leur offrant un cadre propice. Et enfin, favoriser la coopération et l'échange intersectoriel et international entre acteurs publics et sociétés civiles. Pour un changement en profondeur, le développement économique devrait être au service des citoyens et citoyennes, et non l'inverse.